D'agneau fait maison par le chef Nicolas Legrand. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein, le corps du Christ. Alors voici le jambon d'agneau fait par le chef Nicolas Legrand. C'est très bon, c'est très fin. Avec un petit tour de moulin à poivre dessus, tout est bien. Voilà. Qui finit bien, c'est magnifique. Qui sèche depuis le mois de janvier. Ah, dis donc. Et bien ça, je n'avais jamais goûté à ça, c'est quelque chose. Il y a une finesse, une délicatesse. Ouais. On avait vu ça très du coup, très bien. Alors toujours mon americano, fait par Sandrine Legrand. C'est quelque chose aussi. Hein. Oui, j'ai déjà tapé dedans. Alors. Sur le jambon d'agneau. Un agneau de la treille. Et puis c'est tout. Donc j'ai choisi un dos de cabillaud en plat, un foie gras en entrée, un plateau de fromage et puis un baba au gin comme dessert. Bon alors, vous me proposez quoi, Sandrine? Coteau de l'Aubance du domaine de Montgilet pour aller avec votre foie gras. Ah ouais, voilà. Oh, regardez-moi ça. Oh, puis quelle couleur. Oui, il est beau. Oui. Chenin 100%. Merci, Sandrine. De rien, bonne dégustation. Merci. Alors ça, c'est une belle maxime. La vieillesse, c'est quand on va dans un restaurant où il y a des sommeliers et non plus dans ceux où il y a des serveuses. Marcel Achard. Celui-là est pas mal non plus. Après un bon dîner, on n'en veut plus à personne, même pas à sa famille. Carwell, celui-là est bien aussi. C'est un roi de France, Henri IV, qui disait « Bonne cuisine et bon vin, c'est le paradis sur terre ». Donc voilà ce foie gras. C'est un foie gras mi-cuit, marouette cacao, chutney, pomme, rhubarbe et pain au chocolat. Regardez ça. Oh non, oh non, oh non, oh non. On va goûter ça. Oh, le paradis bien sur terre. Hein. On va goûter le vin proposé par Sandrine. Regardez cette belle couleur, il y a de l'or là-dedans. Sympa. Ça s'appelle les pieds dans le sable. Oui, c'est ça, les pieds dans le sable. La pointe, Cap Breton. Toujours des bonnes idées, hein, Sandrine, merci, hein, je ne connais pas. Hein, parce que moi, j'étais parti plutôt sur un vin de Loire. Allez, je vous fais goûter et vous me dites si on ça vous va. On va goûter ça. Et voilà. Merci, Nicolas. Mais il y a du bon cubi. Hein.
C'est sympa, ah oui, c'est sur ah le oui. fruit. Ah oui, oui, oui. Ça vous plaît? C'est pas du tout. Alors, c'est ce que j'aime. C'est frais, c'est léger. C'est bien, ça. Bon, quelle année? 2021, je crois. Je vais regarder pour être sûr, mais je crois que c'est 2021. Tac. Il n'y a même pas marqué. Si, 2021. Eh ben. J'avais vous connaissez ça par cœur. J'avais plus où c'était marqué. Oh là là, cette belle couleur du vin et cette belle assiette là. Aïe, 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 aïe. Alors là, on est sur un dos de cabillaud cuit au lait d'amande, mousseline de patate douce à la vanille, pétales de pommes de terre ou paprika. J'ai mis quelques girolles en plus parce que c'est la saison. Ah ouais, et c'est celle que j'ai ramassée l'autre fois dans les Ardennes, ça, avant de venir. Parle-nous, Nicolas, des Ardennes. Eh bien, justement, je vais vous montrer ce que vous connaissez, le Côte de Meuse. Pas du tout. Voilà. Ah, c'est un gris, ça. Ouais. Ah, je connais pas. Côte de Meuse. À bon. Découvrir. Donc, Nicolas, il est bienvenu dans les Ardennes. Et puis, bah, si tu viens avec ta femme... Bon, on viendra vous serez, le pays. Vous serez mes invités et nous irons manger au Moulin à la Botte chez un très copain bien. À moi depuis, enfin un copain, c'est un ami, depuis 35 ans. Très bien. Et c'est en plein bois, on ira tester. Tu vas adorer. Avec plaisir. Voilà, donc tu es avec ta femme, vous êtes mes invités. Merci. Je le dis à la caméra. C'est noté comme ça. C'est noté. Bon, regardez-moi ce plat. Tout est bio. Je vous laisse regarder ça dans le menu et nous rappeler avec les choix qu'on peut passer. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Avec des girolles. Une mousseline de patates douces.